Salut à tous, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau test de géographie. Oui, on est sur un back-to-back de d'affilée les amis, mais je vous avais dit sur la vidéo de dimanche que j'adorais les faire et je me suis dit qu'on va faire une deuxième partie, un petit back-to-back. Dans 2 jours, ça sera un autre truc, mais là j'avais envie d'en faire 2 d'affilée. Donc c'est parti les amis, on va pas faire d'intro cette fois-ci, le même concept qu'il y a 2 jours. Voilà les amis, je m'excuse par avance. Même si je devrais pas le faire avec toutes les dingueries que je vous sors, mais il y a du bruit aujourd'hui, il y a des travaux, je filme la journée. Donc il y aura peut-être un peu de bruit de fond désagréable. Désolé. Et voilà, c'est parti les amis. Petite dinguerie aussi pour ceux qui me suivent pas sur Instagram les amis. Vendredi, il y a Taylor Swift qui est en concert au cinéma dans toute la France les amis. Je vais y aller quelques fois. Si vous voulez qu'on y aille ensemble, envoyez-moi un message sur Instagram. Là je m'adresse à ceux qui aiment bien Taylor. Envoyez-moi un message sur Instagram. Et si on n'habite pas trop loin l'un de l'autre, on pourra se caler une petite soirée sympa à faire pour aller chanter et danser au cinéma les amis. Voilà. On finit ça alors les amis. Comme la dernière fois, on va faire 4 pays, 20 points. Et toujours la base des indices. Donc ce sera comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, exemple de travaux. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de cuts aujourd'hui, les amis. Alors, comme la dernière fois, donc on va faire. Je vais vous montrer un bout du drapeau, une photo du pays. Je vais chuchoter, mon truc préféré, chuchoter dans la langue officielle du pays et vous donner la capitale. Et voilà, la seule chose qui change par rapport à la dernière fois, c'est que je vais changer l'ordre des points. Des fois, le plus de points, ça sera le paysage, ou le plus de points, ça sera moi qui chuchotera dans la langue, ou alors ça sera le bout du drapeau. Ça changera. C'est parti, les amis. Il y a un pays très facile et les autres c'est plutôt moyen. Donc c'est parti les amis, on commence pour se mettre dans l'ambiance avec le pays le plus facile à trouver. Je vais pas vous donner un objectif de note les amis. Cette fois-ci, votre objectif c'est de battre vous-même. C'est-à-dire que la vidéo de dimanche, ou peut-être que vous l'avez vue hier, votre objectif c'est de faire mieux que sur le test de la dernière fois. Donc si vous avez fait 10, faire au moins 11. Si vous avez fait 15, faire au moins 16. Je sais qu'il y a eu plein de notes. Il y a eu des 6, il y a eu des 10, il y a eu des 11, il y a eu des 17. Il y a eu surtout des notes autour de 10. L'objectif, c'est de faire mieux que la dernière fois. Alors c'est parti les amis, on va commencer par le premier pays. Alors le premier pays, c'est le plus facile. Donc concentrez-vous. Pour 5 points, je vais vous montrer un paysage, une photo du pays. C'est pas forcément la capitale, ça peut être la capitale, mais c'est une photo du pays, une photo qui est dans le pays, tout simplement. Pour 5 points dans 5 secondes, je vous montre un paysage de ce pays. C'est parti pour 5 points. 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, va s'afficher la petite photo du pays, les amis. Une photo d'un film. Enfin, je donne pas plus d'indices, mais j'aime beaucoup cette photo. Je l'ai choisie spécialement. Si vous avez la ref, je vous donne un point de plus. La ref du film en question, un des plus beaux films de l'histoire. Et voilà, alors pour 5 points les amis, tentez votre chance pour ce premier pays. D'accord les amis, on va passer tout de suite au deuxième indice. Là ça sera le chuchotement pour 4 points, le chuchotement dans la langue du pays. Donc c'est parti, j'ai jamais chuchoté dans cette langue là. Je vous affiche les numéros écrits à chaque fois quand c'est ni de l'anglais ni du français, ni de l'espagnol. Je vous affiche les numéros là et c'est parti. Pour 4 points je chuchote de 1 à 5 dans la langue du pays. Alors... E-N. Tve. Dri. Vier. Je suis en train de lire. Vif. E-N. Tve. Dri. Pierre. Vift. Ok les amis, pour ma première fois, ceux qui parlent et qui ont reconnu la langue, dites-moi si c'était si catastrophique que ça. Les prochains, ça va être encore plus drôle. Ok les amis, pour 4 points, on a le paysage, mon petit chuchotement, les petits numéros. Est-ce que vous avez le pays? Ok. Si jamais vous l'avez trouvé, on laisse confirmer ça. Si vous ne l'avez pas trouvé, on continue sur le prochain indice. Alors le prochain indice, c'est tout simplement un bout du drapeau. On est sur le pays le plus facile, donc j'ai mis un bon bout du drapeau, les autres.
épisode, ça sera plus dur. Donc, dans 5 secondes, un bout du drapeau du premier pays pour 3 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc le bout du drapeau est là, les amis. Normalement, c'est une formalité. Je voulais faire au moins un pays très facile aujourd'hui. Donc, pour 3 points. Ok. Pour 2 points, si jamais vous n'avez pas trouvé le drapeau, je vous chote la capitale. Et là, vous allez pouvoir me dire le pays. La capitale est Amsterdam, 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 Amsterdam. Ok, les amis, pour 2 points. Et si jamais Amsterdam, vous l'avez toujours pas trouvé, pour 1 point, je vous donne la première lettre du pays qui est un P. Un P, c'est un pays en 2 mots. Avec un tiré entre les deux mots. Le pays en question était évidemment les Pays-Bas. Les Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Dites-moi combien vous avez de points pour ce premier pays, les amis. On passe tout de suite au deuxième. Ok, les amis. Donc, on est parti pour le pays numéro 2. Let's go. C'est parti. Je pense que les choses sérieuses commencent right now, maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire où est Kobe? Il est allongé quelque part ici. Mon petit Kobe. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il est caché. Il est juste là. Bon, je vois pas. Ça va, mon cœur. Il est en train de dormir. Du coup, les amis, pour le deuxième pays, le deuxième pays, c'est parti. On va commencer par le chuchotement dans la langue cette fois-ci. Donc, pour 5 points, je vais chuchoter dans la langue du pays. Dans la langue officielle du pays. C'est parti. Alors, faut savoir que ce pays... Ça va certainement vous donner un indice. Il y a deux langues officielles dans ce pays. Donc, il y a la langue, on va dire, du pays en question et l'anglais. C'est les deux langues officielles. Mais je vais pas chuchoter en anglais, c'est pas drôle. Je vais chuchoter dans la langue du pays en question. Par exemple, si en France, on parlerait français et anglais, ben, je chuchoterais français. Ben, là, c'est pareil. Donc, du coup, voilà, là, c'est deux langues officielles dans ce pays, l'anglais et la langue que je vais chuchoter pour 5 points, si vous allez la trouver. Là, ça va être plus dur, c'est la première fois aussi, mais les numéros sont plus compliqués à dire, je vais tout donner. Alors, c'est parti. 1. Weekend, 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 weekend. J'ai rien appris en phonétique, je lis juste que je suis en train de lire. Weekend, 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 weekend. 2. Tneige, tneige. Même la capitale, vous l'avez pas trouvé pour 1 point, je vais vous donner la première lettre du pays qui est un M.
c'est un pays en 5 lettres. Un M, et c'est un pays qui a 5 lettres. Là, je peux pas faire plus pour un point. Donc, le pays en question était Malte. Donc, il y a deux langues officielles à Malte, le maltais et l'anglais. Le maltais que j'ai chuchoté, donc on a le bout du drapeau, le drapeau que je vais faire afficher, un paysage de Malte, et donc La Valette, la capitale. Dites-moi, les amis, normalement ça vous fait une note sur 10. On en est où? À la moitié du test. Ok, on passe au troisième pays. Ok, les amis, donc on continue pour le pays numéro 3 aujourd'hui. C'est parti, les amis, on commence avec le pays numéro 3. Il me reste deux pays, les amis. J'essaye de choisir lequel faire en premier, lequel on peut garder pour la fin. Allez, on va garder le. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour le troisième pays, les amis, je vais chuchoter dans la langue officielle du pays. Et la langue officielle du pays, je vais pas marquer les numéros parce que c'est une langue connue. Donc, c'est parti pour 5 points, les amis. Je chuchote dans la langue officielle du pays. Et là, il restera plus énormément de pays. Donc là, c'est jouable de le trouver celui-là. Alors, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, uno. Je sais même pas comment, si on dit uno, uno. On va dire un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'espagnol. Donc pour 5 points, la langue officielle du pays est l'espagnol. Ça vous laisse une quinzaine, vingtaine de pays. Une proposition, tentez votre chance. Ok, ce serait beau que vous l'ayez. Vous l'ayez. Ce sera beaucoup de chance. Là, les amis, celui-là, faut tout donner parce que le dernier, il sera plus dur. Celui-là, faut tout donner, les amis. Parce que là, on n'a plus énormément de pays. Donc, allez, allez, on y croit. Pour 4 points, je vais donner un bout du drapeau, les amis. Un bout du drapeau pour 4 points. C'est parti. 5, 4. Ok les amis, vous pouvez le faire. Là, vous pouvez avoir les 4 points. Là, vous pouvez avoir les 4 points. Langue officielle espagnole. Là, le bout du drapeau. Évidemment, je vous ai mis un bout du drapeau difficile. J'ai soit zoomé, soit coupé. Évidemment, mais c'est jouable. Allez les amis. Ok, tentez votre chance. D'accord. Pour 3 points maintenant, je vais vous montrer un paysage de ce pays. Pour 3 points. 5. Ok les amis, donc peut-être que ça va confirmer votre bonne réponse ou peut-être que ça va faire changer votre réponse. Donc on a l'espagnol qui est la langue officielle du pays. On a donc le bout du drapeau. On a maintenant un paysage de ce pays qui n'est pas forcément la capitale mais qui est un paysage de ce pays. Là on est à 3 points les amis. Tentez votre chance. Quel est ce pays pour vous? Ah, j'ai l'impression d'être un présentateur télé. Faudrait que je le fasse en live, ça. Ce serait vraiment drôle de le faire en live. Ok, les amis. Pour 2 points, je vais donner la capitale de ce pays. Alors, c'est une ville connue, mais moi, personnellement, j'aurais pas réussi à dire quelle était la capitale de ce pays. Donc, je sais pas si ça va vous avancer. Mais si vous regroupez tout, c'est trouvable en regroupant tout. Alors, la capitale, j'espère que je me trompe pas, c'est San José. San José. San José, 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 San José. Ah, voilà les amis, on a la capitale de ce pays pour 2 points. À vous de me dire. Ok. Et pour 1 point, je vais vous donner la première lettre du pays. Évidemment, je veux que tout le monde ait au moins 1 point. Donc la première lettre du pays est un C et c'est un pays en 2 mots. Comme États-Unis ou Côte d'Ivoire ou Nouvelle-Zélande ou Pays-Bas. C'est un pays en 2 mots qui commence par un C. Je sais même pas si on a plusieurs en 2 mots qui commencent par un C. Ok, le pays en question était le Costa Rica, les amis. Donc on avait la langue espagnole et avec le drapeau. Comme en plus le drapeau du Costa Rica est vraiment pas forcément ressemblant à notamment les drapeaux d'Amérique latine. Donc je pense que si vous connaissez le drapeau du Costa Rica, vous allez avoir 4 points. Sinon, c'était compliqué puisque la capitale n'est pas la capitale la plus facile à trouver. Donc
Dites-moi combien vous avez eu de points, les amis, ajoutez à votre score, et pour l'instant vous avez une note sur 15. Comme ça vous savez le nombre de points que vous devez avoir pour soit avoir la moyenne ou soit battre votre score de la dernière fois. Il reste 5 points sur le dernier pays. Donc maintenant, avant le dernier pays, vous savez exactement le nombre de points que vous avez besoin. Parce que vous avez une note sur 15 et qu'il reste 5 points. Et que l'objectif c'est battre votre score de la dernière fois. Donc voilà, on passe au dernier pays, les amis. Let's go. Alors, je fais des coupures à chaque fois, les amis, pour si jamais il y a des travaux, bam, au moins je n'ai pas à refaire 100 fois. Alors, le dernier pays, c'est parti, les amis. Alors, pour le dernier pays, on va commencer par un paysage. Pour une fois, on va commencer par la photo. Pour 5 points, les amis, une photo de ce pays. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on a une photo de ce pays, les amis. Là, ça serait vraiment un coup de génie si vous avez 5 points. Parce que c'est pas le pays le plus connu au monde non plus. Et j'ai essayé de prendre une photo un petit peu aléatoire. Donc là, ce serait vraiment un coup de génie. Ok. Donc pour ça, bon, tentez votre chance. Hein. Vous avez 200 pays, tentez votre chance. Ok. Alors pour 4 points, je vais jeter dans la langue officielle du pays. Encore une fois, la langue officielle du pays. Là, je vais vous afficher les lettres. Alors pour le coup, ça va vous donner un indice. C'est un. Notre alphabet, enfin, c'est une autre écriture. C'est-à-dire que je vais chuchoter en phonétique ce qui est écrit, mais je vais vous marquer les numéros parce que c'est pas le même, vraiment le même alphabet. Donc, vous avez un double indice, mon chuchotement et les numéros qui vont s'afficher pour 4 points. C'est parti. Encore une fois, la première fois que je chuchote dans cette langue. Alors, le seul truc facile de ce pays, ça aurait été le drapeau.
Mais évidemment, je les soumets d'une manière à ce que ça soit plus compliqué. Évidemment, il faut des pays compliqués aussi. Donc, les amis, on a une note sur 20. À vous de me dire déjà combien vous avez eu et si jamais le défi que je vous ai donné est réussi, c'est-à-dire battre vos scores de la vidéo d'il y a 2 jours, faire mieux que la dernière vidéo si vous avez fait autant, ben, défi raté parce qu'il faut faire mieux. Donc, dites-moi, les amis, je veux savoir combien de personnes ont réussi ce défi. Et je vous fais de gros bisous, les amis. On se retrouvera peut-être pour un autre test de géographie, peut-être dans 2 petites semaines. On va faire une petite pause et on reviendra plus fort pour les tests de géographie. Je vous fais de gros bisous, les amis. On se retrouvera dans la Lake Test Academy.